Allez, bonjour à nouveau à tous. C'est un fiasco, cet après-midi est un fiasco, les amis. Les amis, vos grand-mères, les spaghettis. Non, mais c'est incroyable. Nul, nul. Y a rien qui fonctionne. Y a rien qui marche. C'est nul. Non, mais sérieusement, incroyable. Les gars, déjà, la soirée là. Ah, il y a du reclic, ça marche. Attends, attends, c'est pas fini. Attends, je vais juste voir si ça c'est bon. Ouais, c'est peut-être. Oh là, je le sens mal. Attendez. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est bon. Ouh, ça marche. Rocket League marche, les chiens. Les gars, Rocket League ça marche, les gars. Heureusement, parce que c'est un putain de bordel, les gars. C'est vraiment incroyable ce qui se passe sur le live, les amis. On voulait faire une petite soirée jeu. Je pense que je vais lancer dans une demi-heure. Je vais lancer un facile à chanter de la district. Non, mais sérieusement, il n'y a rien qui fonctionne, les gars. J'essaie de jouer avec Ayoub, j'essaie de faire un Mario Kart. Il n'y a plus rien qui marche. La Switch, elle marche. Enfin, la Switch marche, mais je peux même plus vous la montrer. Il n'y a rien qui veut. Là, Rocket League, j'essaie de le faire fonctionner. J'ai dû redémarrer l'ordi. J'ai dû essayer d'installer des périphériques. Il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui marche. Je sais plus quoi faire. Non, mais sérieusement, je sais plus quoi faire. C'est incroyable. Cette soirée, j'espère qu'elle va mieux finir qu'elle commence. Mais bon, c'est comme ça. C'est la vie. Il faut savoir être bon joueur. Du coup, en plus, j'ai fait prendre l'abonnement à You, normal. Putain, je suis dingue. Franchement, c'est une catastrophe. Je voulais voir Mario Kart tranquille. Franchement, honnêtement, si je pense que je finirai sur Mario Kart en off, hein, si ça continue. Mais ça me perturbe un peu, en fait, si vous voulez, je vous explique. Normalement, j'ai un boîtier d'acquisition. Et qui fonctionne, j'ai pas débranché, qui est resté là tout le temps, en fait. J'ai dû vouloir mettre une clé USB hier et j'ai dû le débrancher. Et du coup, là, aujourd'hui, je voulais rejouer donc à Mario Kart en attendant. Et bim, le périphérique n'est plus reconnu. Le périphérique n'est plus reconnu. J'ai essayé de le débrancher, de le brancher dans tous les autres ports, de réinstaller l'épisode, etc. Plein qui marche. Du coup, je vais essayer sur un autre ordi un peu plus tard, mais peut-être pas ce soir, pour voir, parce que ça me fait chier de plus avoir la Switch quand même. Donc, ça, voilà. Donc, du coup, le matos ne suit plus, le micro ne suit plus, il n'y a plus rien qui suit. Il n'y a plus rien qui suit, les amis. Même là, le micro, je vois qu'il m'entend pas. Voilà, je vais essayer de le brancher comme ça, là. Il n'y a plus rien qui marche, les amis. Incroyable. Bon, enfin, voilà, du coup, je me retrouve sans joueur, sans Ayoub. Je sais pas, ce que je vais faire, c'est que à 18h, je vais lancer un facile à chanter. Tant pis si je le fais tout seul, mais bon, faut qu'il y ait au moins 2-3 personnes, quoi, pour facile à chanter. Et sinon, je ferai en fonction des gens qui viendront sur le live. Et il y avait une question pour un champion de prêt, à mon avis, c'est cuit. Tout le monde veut prendre sa place, j'ai même pas fait, c'est bon, c'est cuit. Money drop, ça par contre, c'est chaud. Le burger quiz. Franchement, il peut se faire, la famille en or peut se faire, et tout peut se faire, tout peut se faire. Ça dépendra finalement des gens. C'est vrai que j'avais fait en sorte qu'il y avait des places disponibles en quelque sorte, c'était pour prendre la liste d'inscription. Je suis pas revenu à la charge parce qu'en fait, en gros, j'ai eu tellement de taf que du coup, j'aurais pu faire ce matin et relancer un petit peu tout le monde en vrai, mais ouais, c'est ma faute. Je peux m'en prendre qu'à moi-même, j'avais qu'à relancer les gens, mais et j'aurais dû, en fait, mon erreur. Ma grosse erreur, c'est d'avoir voulu faire ça sur une après-midi en mode. Bon, en fait, j'avais pas de programme. J'ai pas fait de programme. J'ai dit, il y a ça, il y a ça, il y a ça. En fonction des places disponibles, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils étaient intéressés. Et finalement, j'ai pas établi de programme. Donc, forcément. Forcément, voilà. Plus. Oh! Un Guigui bien primé! Pour le stream, alors ça fonctionne ou ton modem 56 déconne encore, ça s'appelle la hotline de AOL au pire. Ah, mais je vais faire ça, Captain Bigleux. Et je vais faire ça. Non, mais ce que j'explique, je sais pas si t'es là depuis le début. Mais mes soirées fiasco, j'ai commencé à 16h, mais fiasco total. Y'a plus rien qui marche, y'a plus rien qui fonctionne depuis des jours de toute façon. Et enfin, ouais, bon, voilà. Du coup, Guigui déprime. Guigui déprime, mais bon, le plus important, c'est pas moi. C'est les enfants qu'on va essayer d'aider pour le Téléthon. On a réussi à récupérer 10 euros hier, c'est déjà bien.
Ah, mais t'étais là déjà quand ça a coupé tout à l'heure. Ouais, non, enfin voilà, bref. J'ai essayé d'improviser un Mario Kart, donc du coup, qui jusque-là est très branché. Enfin voilà, je voulais jouer avec la. Bah, la Switch en le streamant, et finalement, le jeu, c'est pas fait. Parce qu'en fait, il y a un problème de port USB, enfin bref. Du coup, faudrait que je vais essayer pendant 1 heure de régler le problème, mais ça, c'est pas réglé. Risque d'avoir des pneus neufs avec tes conneries. Ah non, ça risque pas, Captain Bigleux. Du coup, voilà encore une fois, encore un truc qui tient, même les projets déterminants pour Valo, j'essaie de ramer. Tu vois ce que je disais? Quand t'as un programme établi, tu respectes le programme, et le problème étant que mon erreur est d'avoir voulu faire un petit peu. Voilà, j'ai dit voilà ce qu'il y a de dispo, etc. J'ai dit que j'allais faire un programme parce que je voulais attendre à savoir qui fonctionne, qui est dispo ou pas dispo. J'ai pas forcément eu de retour pour certains. Ou des gens qui étaient intéressants sur le principe. Mais bon, du coup, j'ai dit ça il y a 10 jours. Je suis revenu aussi la semaine dernière. Et après, voilà. Je voulais faire en fonction des gens disponibles parce que t'as des potes et tout. Personne m'est revenu me dire ouais, j'ai des potes et tout derrière. Et du coup, en fait, en gros, je me retrouve avec personne. Donc voilà, bah c'est pas grave, écoute, on va faire ça au feeling. Je t'avoue, quand je fais des lives comme ça, je fais rarement au feeling, c'est vraiment préparé à l'avance et tout. C'est-à-dire que j'aime bien faire les choses un peu carrées. J'aime bien quand je fais un jeu, le carré, là mon problème d'avoir voulu tout faire. Et ben en fait, en gros, j'ai rien fait. La prochaine fois, je m'y prendrai autrement, c'est pas grave. Voilà. C'est vrai que quand je fais un burger quiz ou des choses comme ça, bah je le dis en avance, je le dis directement. L'heure 21h, rendez-vous. Voilà, ta team prend ta team et viens 21h, tu vois. J'ai pas été assez directif dans le truc. Voilà, j'ai été proposé l'idée, et après, bon, voilà, entre le taf et tout. Voilà, et puis du coup, bon, bah, il va falloir que je meuble. Parce que du coup, j'avais préparé aussi un petit plein de tests et tout, mais c'est pareil, faut voir un petit peu si je commence à avoir du monde. Moi, je sens que comment ça va finir. Moi, ce que je propose, c'est que mon cher Captain Bigleux, je pense que je vais lancer un Rocket League. Je pense que je vais lancer un Rocket League tout simplement. C'était pas trop ce qui était prévu à la base, mais bon, je vais faire avec ça quoi. Vais faire avec ça. Et puis c'était chaud pour me rejoindre. Est-ce que je suis sur le Discord? Attends, je vais me rejoindre sur le Discord et puis il viendra qui veut me rejoindre. On va faire ça au feeling. On va faire ça au feeling. Mais c'est pas grave, ça, les erreurs, ça fait partie du truc. Ça me permettra de m'améliorer dans le futur. Si futur il y a. Je suis mort de rire tout seul devant l'ordi en t'entendant. Je m'en doutais. Ah ouais, mais bon, je m'en doutais. En même temps, c'est ma faute, hein. Qu'est-ce que je te dis? Allez, vas-y, va, on va lancer un Rocket League. On va se lancer tranquillement sur un Rocket League. C'était pas trop ce qui est prévu, mais bon, voilà. Au moins, si jamais, après, je pourrais peut-être faire le jeu musical vers 19h à la limite. En concurrence avec N'oubliez pas les paroles. Ouais, tac, tac. Bon, allez, vas-y, c'est parti. On va se mettre en mode gaming. Tac, tac, tac. Rocket League. Ouais, on va remettre tout à zéro. Paf. Comme ça. Ouais, comme ça va faire un peu de musique tranquille. On va mettre un petit peu de fond. On va marquer quelques buts et quelques victoires. Ça nous permettra un petit peu de sortir la tête de l'eau. Je vais essayer de mettre les dons pour le Téléthon. Alors attends, je vais essayer de mettre des images. On va profiter un petit peu. Mettre les images. Ah non, c'est bon, je continue la musique. Je peux pas faire deux choses en même temps. Ah, c'est pas incroyable. Image, tac tac tac. Nagui contre Guigui, le choc des titans. Franchement, j'aurais dû demander à Nagui de jouer avec moi. J'aurais dû demander à Nagui. Franchement, je te jure, j'aurais eu Samuel Etienne. Je lui aurais demandé, vas-y, s'il te plaît, fais question de trois champions. Et il aurait joué avec moi. Je lui aurais demandé, j'ose pas, et je sais pas si. Mais honnêtement, j'aurais demandé à Samuel Etienne qui joue à question pour un champion avec nous. Ah là 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 là.
Mais en tout cas, comme je dis, c'est pas moi le c'est pas moi le problème. De toute façon, c'est le téléthon le plus important, les amis. On va essayer de faire une petite cagnotte. Puisque hier, on a gagné 10 euros. Hop, on va le mettre. Là, ça fait trop d'images, là. Il y a Julien Lepers qui tricard, sinon je pense que tu vas avoir le 06 de la pizza. Oui, boss. Ah putain. Eh ouais, franchement, c'est ça que j'aurais dû faire. Attends, je vais me remettre sur le foot d'hier. Je pense que c'est sur le foot d'hier. Je dois avoir. Sur le Rocket League. Hop. Et coller, dupliquer. Voilà, comme ça au moins. Voilà, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Mais hop. Voilà, on va coller le téléthon un petit peu partout. Je vais le mettre là aussi. Voilà. Beaucoup. Ça fait beaucoup, mais bon. Tac, 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 tac. On fera les jeux, on mettra la cagnotte. Hop. Et ouais, Julien Lepers. Julien Lepers, si vous nous regardez en direct sur Twitch, s'il vous plaît, Julien Lepers, venez avec nous, venez sauver notre soirée. Mais encore, autant le présentateur, c'est pas le problème, c'est les candidats qui posent problème là. C'est le candidat. Ouais, mais en tout cas, voilà. En tout cas, c'est pas grave. Il faudrait que je fasse. C'est dommage, j'aurais dû faire un truc pour faire genre le programme ou des trucs comme ça avec. À 19 h. Moi, de toute façon, je le dirai oralement. Je dirai à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui viendra. Ouais, à 19 h, on fait un truc musical. Généralement, un truc musical, s'il y a des gens qui sont dans le coin, ils vont venir écouter et jouer avec nous. Voilà, en fait, le problème étant, on manque de candidats, c'est ça le problème. S'il vous plaît. Putain, mais je vois trop. Je vois trop. Tu sais, il y a des jeux, ils font des castings. Ils font des castings pour avoir des candidats. Ils font des castings de ouf, les gens, ils sont recalés. La plupart des gens, tiens, d'ailleurs, ça me fait penser. Je vais pas nommer les noms. Je connais quelqu'un qui s'est fait recaler au casting des 12 coups de midi. Ouais, je profite qu'il n'y ait personne avant de lancer ce truc, mais je vais pas trop déformer ce qui s'est passé, mais en gros, voilà, t'as des questions, un petit peu de culture générale, un petit peu pour hausser ton niveau, même si des fois je me demande si ça sert vraiment à grand chose vu après comment ça se passe dans l'émission. Et après, en fait, en gros, ils font un casting de personnalité, tu vois. Et la question était, c'est quoi la particularité du public des 12 comédies? Non, franchement, je peux pas le dire. Ouais, non, je peux pas le dire. Mais en gros, il s'est fait recaler. Il s'est fait recaler. Voilà. Il s'est fait recaler. Et j'ai une pote aussi qui va peut-être jouer avec nous, et tout, qui avait fait le casting de Tout le monde veut prendre sa place. Et qui n'a pas été pris non plus, alors que franchement, niveau personnalité, il est plutôt pas mal. Donc, après, quand tu vois qu'il défile de 6 en 6 en 6 en 6 en 6, et que, en fait, t'as qu'une personne sur 5 qui est prise pour le casting, quand même incroyable, hein. Franchement, t'as plus de chances de réussir un concours dans la magistrature que de jouer à Tout le monde veut prendre sa place. Hein. Enfin, voilà. Du coup. Attends, est-ce qu'on a Bigleux qui est là? Qui est arrivé? On attend le Bigleux. On attend Bigleux, les amis. En tout cas, Ayoub, je suis extrêmement désolé de t'avoir boycott pour Mario Kart. Je suis. Ouais, c'est. Ah, pardon, ma femme me causait. Ah bah. Fais pas deux choses en même temps, Captain Bigleux. Non, t'inquiète, je te dis, tu me rejoins quand tu veux. Voilà, c'est ça que je te disais. Est-ce que tu veux que je commence une partie en t'attendant ou est-ce que je t'attends pour la première partie? C'est toi qui vois. Et je racontais le casting d'un pote, je te disais que le problème, c'est pas les animateurs, c'est les candidats qui manquent. Comment j'arrive juste après? Allez, allez, c'est parti, comme ça on va lancer une petite partie de Rocket. Tranquillement. On est un jeu occasionnel, tranquille. On va jouer dans du 2-2, puisque du coup, on risque de faire. Allez, pas. Allez, c'est parti!
bah on a gagné par forfait, bah voilà, c'est encore magnifique. Victoire terrible. Allez, vas-y, prévent. Oula, y a trop de piles de. Y a problème de pig là. Allez. Les amis, c'est une cauchemarada. Dites-moi que c'est un mauvais rêve. Ah oui, carrément, il a sauté pas mal ça. Alors déjà, je viens de remarquer un truc que j'avais jamais remarqué. Attends, je suis quelle couleur? Je suis rouge. Ok. Ah, ça c'est pas mal ça. Ah, dommage. Bien joué, bien sauvé. Putain, je savais. Je sentais comment j'ai galéré à revenir que j'allais prendre le bus comme ça. Ouais, j'étais dans les cages. Le temps de revenir, c'était cuit. Ah là là, Guigui. Et là, mon problème, je suis passé au travers, bordel. Ah merde. Ah putain, j'ai pas de chance. Ah oui. Ah, je l'ai mis à côté. Ah là 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 là, c'était bien joué. Ah merde, je la retire, putain. Ah mais Guigui! Quel bourrin. Quel bourrin. Ah! Je l'ai dévié. Oh là là! Il l'a pas mis. Incroyable. Ouais, bien joué. Aïe, aïe, aïe. C'est le jeu, ça. Ah, tout. Ah là là, quelle occasion. Allez, allez, mon ami. Ah! Ah là là, ça veut pas. Allez! Allez, j'ai plus de but! Putain! Mais c'est pas vrai, je suis n'importe quoi avec le boost. Dégage. Allez, 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 bouge, bouge, bouge. Ah mais non! Allez, but. Putain. Allez, dégage. Incroyable. Ah là 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 là. Mon ami. Ouf. Allez, allez. Allez, oh non, mais c'est gros pas staré. Oh, je suis deg. Chalala la 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 la. Hey, mon ami. Voilà, bien joué, allez.
Non, ça c'est pas. Ça c'est dangereux. Allez, 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 allez. Je peux pas arriver à lui. Allez, dernière chance. Faut qu'on aille la chercher cette victoire. Allez, allez. Vas-y, vas-y, mets-le! Voilà, bien joué! Ah, oh, c'est pas bon. Ah, oh, j'y crois pas! Oh là là, mais les gardiens, ils jouent trop bien en fait. Ah, mais non! Ah, j'y crois pas. On a trop d'occasions et on a plus de boost. Franchement, si j'avais des boosts. Non, c'est bon, on a perdu. On a perdu 1-0 à Ayoub. Ouais, non, franchement, j'ai pas de chance, Ayoub. T'as raison. Ah, je suis deg, je suis deg, Ayoub. Ah, on a eu des occasions. On a eu des occasions, mais. Ouais, on en a eu deux sévères, mais on n'a pas réussi à marquer les. Ouais, puis... Eh, quoi? J'ai que 146! Je pensais pas avoir fait un match dégueulasse. Bon. C'est pas grave. C'est pas grave, ça arrive, y a des matchs comme ça. Non, franchement, défensivement, je pensais que j'étais. Par contre, défensivement, j'ai pas été dégueulasse, mais. Bon, peut-être à cause de moi qu'on prend le but, mais. C'est une autre histoire. Bon, enfin voilà, du coup ça fait une défaite. Donc Captain Bigleu, j'espère que tu vas venir relever le niveau là. Allô? Ouais, Captain Bigleu, comment tu vas? Oui, bonjour, bien, Julien Lepers, intermittent du spectacle. Oui. Ah oui. Ça va ou quoi? Ouais, toi. Ça va. Et d'ailleurs, j'ai une petite annonce à te faire, tu sais pas, mais hier, on a fait un match caritatif entre le All-Star Twitch et le All-Star District. Et dans cette équipe, il y avait un certain Captain Zix et un certain Captain Biglito. Dans cette équipe. Incroyable. Et chacun, il y a eu 2 à 0 et chacun a marqué son but. Ah, Alors c'est qu'il y avait bien. quand même du monde, C'est ça. bien. Voilà. Du coup, tu es devenu une superstar de la District. Oh bah au moins, oui, au moins. Je vais avoir le ballon d'or et tout. Ah, ça c'est. Alors ça s'est disputé. Alors il y a une place vacante pour le ballon d'or parce que on avait décerné le ballon d'or à un certain Pierre. Je tairai son nom. Et en fait il a trompé sa femme avec Estelle Denis. On a eu le message en direct et tout. Donc du coup on lui a retiré le ballon d'or pour des raisons D'accord. extra sportives. D'accord, je vois le joueur. Du coup il est disponible le ballon d'or. On va devoir refaire un vote. Et vu que t'as fait bonne impression, peut-être. Captain Bigleux, ballon d'or de la district. C'est possible, c'est possible. En tout cas, peut-être. Croisons les doigts. Peut-être ou d'or de Rocket League. Ça, par contre, c'est peut-être un peu plus probable que le ballon d'or. Bah écoute, C'est pas possible. il faudrait que je t'invite ou tu m'invites. Non, vas-y, invite-moi. Ok. Je suis dans le jeu là. Ok, hop. Alors, Captain Bigleux, invité dans le groupe. Ah là là, elle fait du bruit ta voiture, hein. On sent qu'elle en a dans le moteur. Hein. Elle en a dans le moteur. Le chat qui fait de la merde en même temps, il joue avec les fils. Ah ouais, mais ça c'est pareil, le mec quand il en a marre, il commence à jouer avec la souris du style Asie, c'est bon en fait. Non mais là j'ai décalé le bureau en plus, parce que j'ai fait du bricolage, et du coup il a accès à derrière, donc il s'amuse en fait. C'est cool, il y a plein de fils. Tu vas Allez, ressortir toi. on fait un 2 contre 2 ou 3 contre 3? Comme tu veux, m'en fous. Bah, on va commencer à deux, vu qu'on est que tous les deux, si jamais. Allez, timeline, on arrête vers 18h40. Ça te va? D'accord. Ça te va, ça fait Ouais, quoi? très Ça bien. fait un bon petit 45 minutes de roquette. Hop.
j'ai. Oh, oula, ça a pété, ça a pété d'entrée de jeu là. Ah merde, excuse-moi, putain, excuse-moi. Ça, ça peut rentrer, ça, par contre. Ah, bien joué. Allez, tout seul. Oh là, magnifique. Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Et 1-0, Captain Bigle. Il faut 15 secondes pour rentrer dans le match. Et c'est parti. Complètement fou. Par contre, j'ai pas enlevé depuis la dernière fois. De quoi, j'ai pas entendu. Je dis, par contre, j'ai pas rejoué depuis la dernière fois. Ah, là, mais bon. J'espère que je vais pas relaguer encore. Ça. Je sais pas pourquoi je lag toujours avec ce jeu. Après, c'est comme le vélo. Hein. Faut pas qu'on y aille tous les deux en même temps, par contre. Parce que là, c'est but. Ouais, excuse-moi. Attends pour moi. Je pensais que c'était moi qui étais plus près, je t'avais pas vu, donc je me suis dit, tu dois être derrière. C'était pas grave. Encore deux trois petites choses à régler de mon niveau débutant. Bon, ça va. Là, je sais que j'y vais pas. Parce que je te vois. Oh, bien joué, belle récup. Putain, j'aime pas les ballons comme ça. Ah, j'aime pas les ballons comme ça, je l'ai senti. Ah, j'ai senti le ballon, le ballon comme ça. Ah! Ouais, les ballons comme ça, quand je les senti comme ça, j'ai dit, oh, quand il tape cette zone-là, généralement. Ouais. Bon, encore un problème de placement, problème de débutant pour ceux qui regardent le Allez, stream. Vas-y, c'est pour toi celui-là. Oh, tout droit. Tout droit, c'est gratos. Non, ouais. Trop fort. Ah non, c'est bon. Ah, c'est bon. Impeccable. Je sais pas ce qu'ils ont foutu. Et eux, ils ont fait comme nous tout à l'heure, ils ont dû se dire, vas-y, c'est à toi d'y aller, c'est pas à moi, et les deux sont partis dans. Moi, bah, c'est bien. Ouais, c'est sympa, hein. Pas dire non. Allez, vas-y, c'est pour toi celle-ci. C'est vrai, il va y aller. Ils vont y aller à deux, dommage. Pardon. Ah, excuse. C'est ma faute. C'est ma grande faute. Putain, il m'a prise juste avant. Wow, 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 wow. J'ai. Vas-y. Ah, bien joué, Captain Bigle. Parfait. Ah, il est chaud. Ah, quand il a un peu d'espace comme ça. Un peu comme Neymar, tu vois. Quand t'as un peu d'espace. Ouais, sauf que je me roule pas par terre. Ah, <si. rire> Dès qu'il y en a un qui crie fort, allez, vas-y, elle est pour toi. Ah putain, j'aime pas que ça passe là. Ah, toi, par contre, t'as bien senti le. Ah, on se fait raider. On se fait raider, je sais pas par qui, mais on se fait raider par Moxie. On se fait raider par Moxie. Ça, c'est ouais, cool, ouais. Ça. Ah, bah voilà, Moxie, on attendait. Comment tu vas, ma chère Moxie? Alors, du coup, nos jeux. Oh là, attention, si, tu l'as. Oui! Ah, dommage. Salut à tous. Salut, Chikofun. Salut, Jukchk28. Jukchk. Salut Moxie, ah t'es avec 11 viewers en plus. Là t'es en train de laver du coup, ma Moxie. Bah ça va très bien. Bah, il me semble que tu travailles ce soir, Moxie, c'est ça? Ah, on voulait faire un question pour un champion, mais on a manqué de candidats. Du coup on va attendre un petit peu plus tard dans la soirée. Et on attendra d'avoir un peu plus de candidats pour un jeu ou pas. Pour le moment, on a. Les présentateurs, il y en a, mais il manque des candidats. J'espère que vous allez bien, les amis. On voulait faire une soirée exprès pour le Téléthon, jeu télévisé. Mais en tout cas, c'est cool, il y a un peu de monde. Donc, du coup, ça veut dire que. Oh, attends. Oh là là, je passe à côté. Ah, je passe à côté. Bon, par contre, j'ai pas un gros niveau à Rocket League, vous avez bien compris. Bah y'a pas de soucis, mais tu m'as dit que tu travaillais du coup, Moxie. Bah du coup voilà, du coup on aura peut-être un burger quiz ce soir. Pas en vocal, mais je participe quand même. Ok, ah ça c'est une bonne nouvelle. Ça c'est cool. Ça c'est plutôt cool. Ah c'est vrai qu'on aurait aimé t'avoir en VIP, Moxie. Franchement ça aurait été vraiment cool, mais bon, ce sera partie remise. Mais comme je disais, j'ai fait une grosse erreur, c'est que j'ai voulu trop en faire. Du coup, j'ai laissé le choix alors que j'aurais dû dire bon, on fait tel jeu, est-ce que ça t'intéresse à telle heure? Et puis voilà, du coup, tant pis, c'est pas grave. Mais après, avec le travail et tout. Vas-y, tu l'as? Oh, non, tu l'as pas.
Ok, à moyen. Bon, en tout cas, ça sera cool. À mon avis, on va faire sûrement Burger Quiz ce soir. On va faire des monnaies drop pour le Téléthon. Pour gagner un petit peu d'argent pour le Téléthon. Et puis, je pense que voilà, en fonction des gens qu'il y aura sur la chaîne. Troumimi, mais t'inquiète, on se redit ça ce soir si je peux venir. Vas-y, y'a pas de soucis, avec grand plaisir. Avec grand plaisir, donc du coup, alors, on va lancer un petit peu plus tard. Là, je pense qu'on va lancer un jeu musical à 19h. Enfin, même 18h45. On va faire un facile à chanter. On voulait faire les filles contre les garçons, mais sinon on fera les roses contre les bleus. Ah là, par contre, on est en train de se faire rooster Captain Bigleux là. Ah ouais, non, Burger Quiz, ça, tu serais chaud toi, Bigleux, pour en faire un? Un petit peu plus Bah, tard ce soir? non, je sais pas. Je sais pas. Si t'es là, bah si t'es là, t'es le bienvenu. En plus, toi, je suis sûr que Burger Quiz, c'est typique un jeu pour toi. Moi, j'ai le souvenir que Laurent Baffy il perdait jamais un jeu là. Du coup, comme t'as la réputation de d'être le Laurent Baffy de Twitch. Tu parles. Gentil. Bon, les gars, vous avez bien compris que moi, par contre, j'étais pas le Neymar de Rocket League. C'était vraiment pour patienter. Et j'ai été rejoint très gentiment par Captain Bigleux qui va marquer encore son but. Il est chaud, Captain Bigleux. Peut-être, pourquoi pas, à une 17. Allez chercher cette victoire, les amis. Je suis pas concentré, c'est pareil le chat en même temps. Donc. Et du coup, tu jouais, tu faisais quoi, Moxie? Tu faisais quoi comme Allez, live? vas-y, c'est pour toi. Allez, allez, c'est pour moi. Allez, est-ce que Guigui va aller récupérer ce ballon? Ouais, j'avais gagné mon duel. J'aurais dû y croire un peu plus. Allez, faut que je la centre. Elle est bonne. Ah, il a bien arrêté, c'est dommage. Il est où le ballon? Ah, dommage. Voilà, c'est toi. Alors, le principe, Bigleux, c'est que c'est toi qui centre, c'est pas toi qui se fait centrer. C'est. Ça aurait été. Aïe, aïe, Eh merde. aïe. Attends, je peux y aller. C'est bon, il les récupère pas. Putain, et au moment, j'ai abusé. Ils sont partout les mecs, ils sont combien? Ils sont deux ou trois? C'est pas mal ça, c'est pas mal. Peut-être là, peut-être, sur cette action, Allez! Kiki, sur cette action d'égalisation, les amis! Légalisation! Allez, j'étais obligé de me lancer là. Ah bah il fallait, hein. Allez, j'étais pour vous, public, les amis, à 23 secondes, le match est relancé. 1 euro par victoire de Téléthon. C'est pour Allez, verser 1 euro vas-y. pour le Téléthon, les gars. Allez, on le fait pour ça. Faut gagner beaucoup de matchs pour. On a récolté 10 euros hier. Petit à petit, on espère faire une soirée avec quand même pas mal d'argent. Ça serait cool pour le Téléthon, les amis. Allez, est-ce qu'il faut aller la chercher? Pour la bonne cause, les amis. Pour la bonne cause. Ah, je l'ai loupé, je l'ai loupé. Pour la bonne cause, on va peut-être le perdre. Bon, il va y avoir des prolongations. Non. Non, c'est bon, il y a des prolongations, tranquille. Ouf, on est chaud, on est chaud. Moxie, t'es dans l'épisode 4? Attends. De ton calendrier de l'avant. Attends, tu faisais un calendrier. Alors, Moxie, tu fais un calendrier de l'avant. Et juste, attends. L'action, l'arrêt, attention, ça c'est bon. Juste pour aller pour le Téléthon. Il récupère 1 euro, les amis. Ah putain, je l'ai mis dans le mauvais côté. Putain, oui, j'ai changé de vue. Allez, c'est bon, elle est bonne, elle est pour nous. Oh, hey, pas mal ça. Oh là, attention, putain, il la centre bien. Aïe aïe aïe. Ah, pour le Téléthon! Pour le Téléthon, faut la sortir! Elle est pas rentrée! Elle est pas rentrée, c'est incroyable! Putain, mais ils sont. Aïe aïe, deuxième. Ah, il a mis! Il a mis! Ah, on va la Bien perdre! joué! Bien joué, bien joué! Ah, c'était chaud! Moxie, calendrier de l'Avent, on a fait Pokémon Emerald, mais non, à l'ancienne! Un jeu rétro par jour et chaque viewer avait droit à son Pokémon. Oh, trop bien! Excellent Pokémon Emerald! Nous, on voulait essayer. Je voulais commencer Rouge Feuille. Énorme, énorme. Franchement, c'est cool. Et du coup, qui avait qui là? Qui avait quel Pokémon? C'était quoi l'équipe? Quelle action, les amis? Quelle action? Bah, on va rejouer. On va pas rester sur cette défaite. Hein. Pour le Téléthon, là, on a toujours pas récolté 1 euro. C'est dommage, je pense que sur la fin on a un peu trop subi, mais bon. Le mec est diamant, je crois. Ouais, bah on a senti que le diamant, on a senti que ouais, c'était compliqué.
Toujours Et du des coup, petits lags, moi, c'est chiant. bah, c'est le côté, mais c'est ça le problème avec AOL et Tiscali, c'est que du coup, je trouve que niveau réseau, ils sont plus aussi bons Et qu'avant. Hein. Alice. J'y vais, j'ai. Ah, merci. Ah ouais, Chenipote, bien joué les gars, contre ton gré. Chenipote, c'est vrai que c'est un bon pote. Chenipote dans l'équipe, c'est faut tuer un Chenipote. Et puis, ah, Poussifeu. Poussifeu, très très bon choix, Poussifeu. Il est tellement mignon, Poussifeu. De toute façon, dans cette version émeraude et tout, Poussifeu, c'est mon préféré. Même si normalement, je suis plutôt Pokémon eau, de mon côté. Je préfère l'eau que le feu, mais. Ah merci à toi. Ah, tu m'as tué? Non? Non, c'est lui Attends, qui je t'a suis tué, bleu? Ah non, on est bleu, on est bleu, on est c'est bleu. lui qui t'a tué. Je vais l'avoir, bien joué. Pardon. Ouais, elle est pour moi, elle est pour moi. Elle est pour moi. Non, elle est pas pour moi. Elle est pas pour moi. Je n'ai pas de compte ton gré. Ah là là. Ah, mais attends, il évolue en papillon, en chenipote. Non, ouais, c'est ça, chenipote. Non, oui, non. Non, quoi, en papillon. Ah, il y a une espèce de papillon là. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Allez. Voilà le Oui. but. Là, voilà. Allez, le Téléthon, on va essayer de récupérer 1 euro, les amis. Vous l'avez appelé Poussy, c'est tellement mignon. Putain, j'étais pas là. Ah là là, si j'avais su, j'aurais mieux fait Vas-y, de. prends-toi. Allez, c'est pour moi. C'est parti. Oh oui, c'est Ah gratos. ah ah. En Oh fait, la vache. j'ai marqué 2 buts tout à l'heure. J'en ai pas mis un, j'en ai mis 2. Je me suis trompé sur le. Non, je touche à rien, c'est dramatique. Allez, c'est bon, c'est bon. Elle est bonne, elle est pour nous, elle est pour nous, elle est pour nous, elle est pour nous, elle est pour nous. Elle est pour nous. Elle l'est pas pour moi. Ces balles-là, faut vraiment que j'arriverai à les gérer. Je commence à comprendre le truc, mais. Je fais de la merde, c'est dramatique. C'est Pour bon, ça, c'est bon, ouais, ils il n'ont pas faut de mis, la ils n'ont pas merde mis, ils aussi. n'ont pas mis. Là, y a deux guigui en face. Ah, tac, 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 tac. Allez, pour moi. Voilà, c'est bon. Voilà. Ah, il y a Maril aussi, j'aime beaucoup Maril. Oh, attends, elle est un peu loin. Non, elle est un peu trop longue. J'étais pas au deuxième poteau. Ah, putain, mon cul. Aïe, 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 mon vieux. Alors, il y a Maril, j'ai vu Maril. Mycose, il y a un mec qui s'appelle Mycose. Attends, j'essaie de. Je vais dire ça. J'ai senti qu'il y avait des Pokémon sympas. Ah! J'ai cru qu'il a touché, du coup j'ai sauté. Ah, elle est belle, Captain Bigleux. Allez, bien joué. Eh bah, j'y croyais pas. Marine, l'hirondelle. Fogol, celle-là. Médina, pas mal. Il y a une mouette aussi. Mycose, Champiboule. Ouais, il est dégueulasse ce jeu Pokémon Champignon. Vas-y, bon taf, merci Moxie. Et de toute façon, on va gamer et après on va passer au jeu. On va passer au facile à chanter, les amis. J'espère que vous aimez bien les blind tests. On compte sur vous. Mais je fais n'importe quoi. Bah, franchement, on va vite passer à autre chose que Rocket League. Parce que le niveau, il est tellement pas ouf. T'es bon culture générale, Captain Pigleux? On est bon, oui. T'es chaud pour un money drop là, pour récupérer plus de sous pour le Téléthon là? Parce que là, le Téléthon avec 1 euro, si on gagne un match, on va pas aller loin. Ouais, pourquoi pas. Tu te rappelles du principe de money drop? Pas vraiment, non. Bah vas-y, bah c'est cool, vas-y on fait ce match, je profite qu'il y ait du monde. Ah ouais, ouais, pas de soucis. On termine ça, comme ça moi j'explique la règle. Voilà. Pas de soucis. Oh là, c'est chaud. Ah là 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 là, attends, je vais le remettre. Joué. Non. Elle est pas loin, ah dommage, elle est à côté. Allez, attends, deuxième. Je suis dans le centre. Ah, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Cadre pas, c'est dramatique. Ah, il y en je a suis un pas qui son a frère. 10 kills là. Elle est bonne. Elle est bonne. Elle est où? Le centre? Non, j'ai raté. Je voulais centrer, mais. Je voulais Le centrer, centre mais. pour qui? Le centre raté totalement.
Il est tout seul, ouais, le mec. Seul. Bah il est tout seul. Bon bah marque hein. Ça y est. Allez, bien joué. Bon, il va se rendre, je pense, non? Ouais. Voilà. Bon, au moins, on aura gagné 1€ pour le Téléthon. Ouais, bien joué, ça fait un but. En fait, j'en ai mis un des deux tout à l'heure. Donc, en fait, en gros, ça fait 3 buts et une victoire. Bon, du coup, Bigle, t'es chaud pour un money drop? Allez, vas-y. Je vais juste mettre le stream de l'écran pour que tu puisses voir les règles. Enfin, le plateau, parce que le plateau va avoir son importance. Hop. Je quitte le Rocket League, du coup. Vas-y, stream Rocket League. Attends, je suis en train de streamer déjà? Ils disent que je suis en train de streamer? Non, partage ton écran. Je vais te streamer OBS et comme ça, je vais te montrer. Hop, passe en direct. Vas-y, sans avoir son importance. Ouais, moi aussi, je quitte Rocket League, les gars. C'était une bonne partie. 1€ pour le Téléthon, c'est sympa, ça fait 11€ la cagnotte. Hop, je vais juste marquer les scores. Donc du coup, ça fait 38 victoires pour 23 défaites. Et 105 buts et 18 sauvetages. Allez, ça c'est cool, ça c'est déjà fait. Hop. On remet les compteurs à 0. Et on passe à Money Drop de suite. Allez, c'est parti les gars, Money Drop. On a les moyens, les gars. On a les moyens sur la District TV. Bon, mon cher Bigleux, je suis content que tu joues avec nous. Écoute, le principe, Captain, c'est. Alors, je sais pas si tu te souviens très bien, c'était présenté par Lance Boclini sur TF1 il y a déjà quelques années. Hein, ça fait un moment que ce jeu-là. Oui, mais je crois que j'ai jamais regardé en fait. Bon, le principe, il est plutôt simple, c'est comme n'importe quoi. C'est comme qu'il veut gagner des millions, tu vois. T'as une pyramide de questions, t'as 8 questions au total. T'en as, voilà, t'as la question 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. T'auras que 2 choix à la fin. Bon, voilà, t'as 500 bytes au tout début de la partie, d'accord. Tu dois gérer ça. Tu vas avoir des thèmes de questions. En fait, question 1, t'auras 2 thèmes à choisir. C'est toi qui choisiras quel thème tu voudras entre les deux que je te proposerai. Et t'auras 4 propositions. D'accord. Tu auras 45 secondes de réflexion. Et à partir de là, tu auras 45 secondes supplémentaires pour poser tes gains. En fait, en gros, si tu n'es pas sûr d'une réponse ou que voilà, tu dis ça serait peut-être plus ça, machin, par élimination, bah, tu pourras en fait miser sur une réponse. Donc voilà, et piocher dans ta cagnotte. Donc si par exemple, voilà, tu as une réponse plus favorable qu'une autre, tu dis ouais, ça serait peut-être plus ça, je vais mettre 350 là-dedans. L'autre, je suis un peu moins sûr, mais je pense que ça peut être ça. Donc tu mets 100 et sur un dernier, au cas où, je mets 50, tu vois. Tu mises. D'accord. Et au fur et à mesure, le but du jeu, c'est de garder le maximum d'argent jusqu'à la question 8. Parce que pour gagner, en fait, il faudrait bien répondre à la question 8, d'accord. La question 8, t'auras, au lieu d'avoir 4 shots, on aura 2. Et là, par contre, ça sera l'un ou l'autre. Tu pourras pas miser un peu. Tu seras obligé de tout mettre sur ta somme. Là, la stratégie du jeu aussi est là, c'est que tu peux prendre des risques. C'est-à-dire que si tu décides de mettre toute ta mise sur une réponse... et bien dans ce cas-là, tu pourras sauter une question, ce qui est plutôt avantageux. Ok. Par exemple, mais il y a que moi qui joue là. Bah alors, avec toi, il y a des gens qui veulent t'aider sur le chat, s'il y en a qui sont actifs. Ah. D'accord. Donc voilà, bah, pour le moment, t'es tout seul, Moxie est en partie. Du coup, voilà, du coup, tu peux être aidé, en tout cas. Et puis voilà, mais sinon c'est toi qui joues et c'est toi qui est... Les 500 bytes, à la fin on fait le total de ce que t'as gagné, ou si t'as pas gagné, et on rajoutera ça dans la cagnotte pour le Téléthon. D'accord. C'est bon pour toi, au moins tu fais attention à ce que tu fais. Allez, je vais te... Le premier thème, mon ami, alors attends, faut juste que j'aille les chercher. Alors, question... Tac. Alors, qu'est-ce qu'on a comme thème? Propriété...
Alors, je te propose une question dessin animé ou une question Netflix? Dessin animé. Dessin animé. C'est parti. Voilà la question. Lequel de ces chiens de dessin animé ne parle pas? Pluto, Scooby-Doo, Pollux ou Dingo? J'ai le droit de tout mettre là? Là pour le moment tu peux réfléchir. On va dire que c'est ton délai de réflexion un petit peu. T'as à peu près 40 secondes. Et après je fais partir le chrono, tu auras 45 secondes pour mettre tes mises. Donc là D'accord. je pense que tu connais la réponse. Oui. Ouais. Donc du coup si tu veux je peux faire partir le chrono de suite. Vas-y, vas-y. Et du coup tu mets où est-ce que. Ouais tu peux répondre bien sûr si tu peux. Vous pouvez répondre sur le chat les gars, vous pouvez aider. Alors moi je pense à Pluto. Est-ce que tu serais prêt à mettre toute ta mise sur Pluto? Oui, parce que Dingo, en fait, il est habillé. C'est le copain de. C'est marrant d'ailleurs dans Disney, en fait. T'as un chien qui parle pas et qui a poil, qui a walpé, et t'en as un autre, il marche et il parle et ça choque personne. Donc, moi, je mettrais sur Pluto, en fait. Scooby-Doo et Scooby-Doo le Pollux, cause. il pose Scooby-Doo. Pollux, je suis assez âgé pour me rappeler qui parlait. Donc, moi, je mettrais sur Pluto. Ok, plutôt aussi pour Jokes. Je dirais plutôt aussi. Plutôt qu'autre chose. Allez. Plutôt, voilà. Alors, sache que dans le jeu, tu as un joker de 10 secondes. Entre la première et la quatrième question. Est-ce que D'accord. tu veux l'utiliser ou tu valides? Ah non, je valide, je valide. Tu prends un risque. Tu prends un risque. Bon, l'avantage, c'est que si jamais tu réponds bien à cette question, tu passeras directement à la question 3. Par contre, si tu plantes le Téléthon, il y a des gens qui vont malheureusement être très malheureux. Ça serait pas cool, ça. T'as pas la pression là, hein? Non, pas du tout, ça va. C'est à cause de toi, il y a un enfant qui va mourir. Ah, Voilà. d'accord. C'est sympa. Je Non. reviendrai, je savais pas quoi faire ce week-end. Ah, attention, est-ce que c'est la bonne réponse? Eh, c'est bien, c'est pas Pollux, c'est pas Dingo, mais il y a un doute avec Scooby-Doo. Si Scooby-Doo il parle. Scooby-Doo il parle, hein. Il dit oh Samy et compagnie. Est-ce que t'es bien sûr? Bah il parle, il dit des mots Scooby-Doo. Après il fait peut-être pas des Est-ce phrases que, hyper comme cohérentes, Soso, tu mais. vas perdre à la première question? Bah non, attends, allez, franchement si tu Attention! me dis que Scooby-Doo il parle pas, c'est de l'arnaque, hein. Est-ce que Scooby-Doo parle? Ou est-ce qu'il ne parle pas? Réponse tout de suite! Mais oui, c'est ça, bien joué! Ah oui, quand même, oh putain, c'est pas Molière, mais il parle pas tout à fait. Pas mal. Allez, c'est bien joué. Du coup, on passe à la question 3. Tu sautes une question, c'est un tout ou rien. Bien joué. Et du Oh, coup, dis tu donc. gardes les 500 bytes. C'était bien joué, bien sûr, bien évidemment. C'était plus. Plutôt qui parle pas. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on distingue qui est Dingo, qui est Plutôt. Eh bah oui, Généralement, serait bien qu'il y avait une arnaque comme ça. c'est ça, voilà, exactement. Mais Scooby-Doo, en effet, il parle. Il parle bien, Scooby-Doo-Bidou! Il fait des trucs comme ça. Bon, ça, question validée, rien à dire. Maintenant, on va passer. Dans la cité de la peur, il disait, hein, parlez-moi de vous plutôt. Très, un Audit. petit big up aussi à Machaba et à l'équipe des nuls. Question, Gérard mon Darbon. ch. Et Gérard Darmon, qui est excellent avec la Carioca. Non, mais ce film est excellent. Ce film est excellent. Je l'ai pas assez. Et franchement, ça fait partie des films que je devrais voir plus souvent. Allez, la question de thème, mon cher Captain. Non. Attends, c'est juste que ça. Attends, hop. Allez, le thème pour la question 3. Fable ou fable? Alors, fable avec un S ou fable sans S? Fable avec un S ou fable sans S? Fable sans S. Voilà la question. Mon cher capitaine.
Comment s'appelle le continent dans lequel se déroule l'histoire des jeux vidéo Fable 1, 2 et 3? Oh putain, c'est loin ça. Westeros. Non. Spira. Albion. Le Poitou-Charentes. C'est le regard quiz en fait. Westeros, non, Westeros c'est dans Game of Thrones. Non, pas Game of Thrones, si, non, je sais plus, mais c'est pas ça. Spira, Albion, Poitou Charente, non? Spira ou Albion? Allez, 45 secondes. Faut que je mette tout ou je peux juste tu mettre peux, un petit peu moitié-moitié, tu peux mettre 300, 200, 100, ce que tu veux, par 10, juste par deux, par paquet de 10. Bah moi aussi Albion ça me dit un truc, mais y'a pas un jeu là qui est sorti qui s'appelle Albion aussi là? Est-ce que ça... enfin je sais pas. Est-ce qu'il y en a un qui te dit plus que l'autre? Est-ce que tu veux mettre moitié-moitié? Bah, est-ce que tu veux mettre Spira ça me dit vraiment rien. Mais après ouais, Fable le 1. Allez, j'ai 12, pris, 12 secondes. Je mettrais 200 sur Spira et 300 sur Albion. Westeros, c'est sûr que non. On peut toucher à Charente ou alors on n'a pas dit. Mais... Allez, est-ce que tu veux profiter de ton joker de 10 secondes ou est-ce que tu veux valider comme ça? Non, je vais valider comme ça. Alors, on pense Albion du côté de Jokes. Albion, ouais, ouais. C'est un peu lointain, j'avoue. Allez. Computer, veuillez enlever deux mauvaises réponses, s'il vous plaît. Computer. Ok, bon, c'est bien sûr pas le Poitou-Charentes, on avait bien compris. Et en effet, Westeros, c'est bien Game of Thrones. Mais... Oui, c'est bien, oui, c'est bien. Du coup, ça enlève pas le Schmilblick. On en est toujours au même point. Est-ce que c'est Spire ou Albion? Je pense que, ouais, on va rester sur ouais, Albion, peut-être. Alors. Parce qu'on dit dans le chat Albion. J'avoue, ouais. C'est vrai que Spira, ça me dit pas grand-chose au final. Ah, c'était Albion. Bien joué. Ah bah ouais. Alors non, Spira, je vois pas bien la couleur. Spira, c'est dans Final Fantasy X. D'accord. Ah oh, ouais. Puis, il y en a, il y en a un qui aurait bien su, c'était l'autre Captain. Oui, c'est vrai. Ah et du coup, c'est bien, on va revenir, on va récupérer notre argent, on récupère nos 300. Donc on a plus que 300 certes, mais bon au moins on a 300, c'est déjà mieux, quand on a un doute comme ça faut pas trop prendre de risques. Et du coup on est à la quatrième question, mon cher Captain, et je vais te proposer deux nouveaux thèmes. Mm-hmm. Alors, tu as le choix entre drapeau ou people. Un drapeau, je suis nul en plus, je suis daltonien, donc ah, je vais prendre people. Ah oui, là ça tombe pas bien là. Bah non, je vais prendre People. Attends, et du coup là ça va les couleurs, ça se fait pas trop mal aux yeux. Je vois pas très bien quand ça s'affiche à l'écran, mais c'est pas grave. Ah, okay. C'est quelle couleur qui peut. Non, mais en plus, je pense que c'est avec l'écran et tout, t'inquiète. Non, mais t'inquiète pas, de toute façon t'annonces les réponses, donc c'est okay. Très bien. Non, je vais prendre People, en espérant que ça soit pas un truc trop récent, style les Marseillais et compagnie, parce que j'y connais rien. Bon, tu veux pas prendre drapeau, t'es sûr? Non, je plaisante. Ah bon, c'est à ce point-là? Ah, attention, c'est peut-être pas si récent que ça, je pense. Allez, la question, on va la regarder ensemble. Allez, vas-y. Qui a été la troisième épouse de Johnny Hallyday? Ah, tu vois, c'était pas récent, là. Ah, attends, Je crois que c'est Adeline. On a Elisabeth Etienne. Dibabette. Oh. Laetitia Boudou. Boudou!
Ah oui, non, Laetitia, c'est la dernière. Je crois que c'est. Je crois que Nathalie c'est Baye. En fait. Ah, Nathalie Baye. Adeline Blondeau, c'est ce que tu pensais dire dans un premier temps. Sa troisième. Ouais. Alors. En tout cas. Elles ont toutes été partenaires de Johnny Hallyday, ces dames, ça c'est sûr, y a pas de piège. Non. Qui est la troisième épouse? Elisabeth Etienne, je sais même pas qui c'est ça. Là, je me rends compte qu'il faut que je fasse gaffe quand j'écris des romans sur les questions parce que ça dépasse un peu. Je ferai attention la prochaine fois. Hop là, le chrono qui départ. 45 secondes. Allez, t'as 300 bytes à répartir. Je vais mettre. Euh, 200 sur Adeline Blondeau, là. Ouais. Laetitia, c'est la dernière. Nathalie Baye, je me souviens plus. Il y a eu Sylvie Vart. Je crois que Nathalie Baye, ça va être sa deuxième femme, il me semble. À Calais, tu peux reprendre des 200, presque un second. Attention, 5 secondes. Vite, 25 3. Sur Boudou, 25 sur Baye et 50 sur Étienne. Alors attends, redis ce que on va redire ce que tu fais. Alors t'as dit 25 sur Baye. Ouais, 25 sur Boudou et 50 sur Étienne. Ok, comme ça on a notre argent. Et 50. Bon, comme ça au moins ça veut dire c'est sûr que tu passeras à d'autres questions. Mais attention, est-ce que tu veux 10 secondes supplémentaires pour peut-être pour recorriger un petit peu? Ou est-ce que tu veux valider comme ça? Non, je valide comme ça, de toute façon j'ai un. Honnêtement. Un gros doute, mais on verra. Johnny Hallyday dit Jean-Philippe Smet. Ou plutôt Jean-Philippe Smet dit Johnny Hallyday. C'est ça. Computer. C'est pas Laetitia Boudou. C'est. Pas Elisabeth Etienne. Ça joue entre Nathalie Baye et Adeline Blondeau. Ah, je reste sur Adeline, je pense que c'est Adeline. Dans l'ordre, il y a quoi? Il y a Sylvie Vartan en premier, ça on est tous d'accord, ok? Je crois qu'il y a Sylvie Vartan en premier, après il me semble que c'est Nathalie Baye en deuxième. Ouais. De toute façon, elle était mariée combien de fois? Elle était mariée 4 ou 5 fois, je crois. 4 ouais, fois. Ouais, on va voir. Est-ce que les people te réussissent, mon cher Captain Pigleux? C'est Adeline Blondeau, bien joué. Oui. Oh oui, putain, j'arrive. En fait, Elisabeth Etienne, ça me alors, dit quelque chose, mais je sais pas qui c'est en fait. On va faire le point, on va dire, en quelque sorte. Elisabeth Etienne, alors on va recommencer depuis le début. Sylvie Vartan premier, d'accord, ça, y a pas de souci. Ouais. Ok. Ensuite, il y a eu en deuxième Elisabeth Etienne, Dibabeth Etienne à l'époque. Ils sont mariés très rapidement, ils ont divorcé au bout de 3 mois. C'était ah d'accord. Nathalie Baye est née de cette union Laura Smet, mais ouais. Ils sont pas mariés. Ah bon? Et non. Ah bah je suis persuadé. Il s'est marié avec Adeline Blondeau, donc troisième. Il a divorcé. Ils se sont remariés à Las Vegas et ils ont redivorcé. Donc il s'est marié deux fois avec Adeline Blondeau. Ok, c'est la 3 et la 4 en fait. Bon, c'est la troisième épouse, mais c'est mariage 3 et 4. Et mariage 5, d'accord. 4e, c'est Laetitia Boudou, 95, Sarkozy. À Neuilly. Exact. Oui, voilà, exactement. Voilà, donc du coup, là maintenant, on est chaud sur la vie de Johnny Hallyday sur Twitch, en direct de la District TV à 18h28. fallait le sortir, ça, Johnny Hallyday. On est bien. Ouais. Cul coco. Bon, en tout cas, ça fait que on passe à la question 5 et grâce à cette connerie. Hop, c'est bon, c'est cool. On salue en tout cas toute la famille à Johnny qui doit nous écouter forcément. Johnny, si tu nous regardes. Dialogue TV. Pardon. Johnny, hey, tu es l'artiste.
Non mais c'est comme Michael Jackson et Prince, il est pas mort en fait. Et Elvis. C'est ça, exactement. Elvis, ça fait un moment qu'il est pas mort, hein. Le mec il a plus vécu pas mort que... C'est ça. Normalement les gars, faut quand même les laisser tranquilles, les laisser reposer en paix. Bon en tout cas voilà, c'est bien, question 5, donc du coup ce qui est bien c'est que maintenant t'as plus un joker mais deux jokers. Ah c'est bien ça. Il nous reste 200 bytes, il nous reste 4 questions. Mmh. On avance petit à petit mais sûrement. Nouvelle question mon cher Captain. Enfin nouveau thème. Mmh. Hop. Alors que puis-je te proposer? Je peux te proposer de la conjugaison ou de la construction. Construction. Conjugaison. Ouais, je vais essayer construction. Construction, c'est noté, mes amis. Hop, attends. On va se parler. Question construction. Combien de marches compte au total la tour Eiffel? 324. 364. 674. 1665. Combien de marches au total? Ouais bah c'est le dernier, c'est sûr. C'est sûr que c'est le dernier. Les autres c'est trop peu en fait. C'est beaucoup trop peu. Allez 45 secondes. Et attention hein. N'oublie pas que tu joues pour le Téléthon. Alors du coup, pour le moment, tu fais quoi? Tu veux mettre la pression en fait. Hein. Tu veux mettre tout sur le 1665 ou tu veux sur les... Alors c'est... Ouais... T'as 115 secondes. Bah t'as deux jokers. Je vais faire 50 sur 674 et 150 sur 1665. Je me laisse une petite marge de manœuvre quand même. Est-ce que tu veux un petit joker tranquille pour avoir 10 secondes de plus pour réfléchir ou est-ce que tu valides comme ça? Non, je valide comme ça. Les autres c'est trop bas, 324 et 364. Est-ce que tu sais combien elle mesure la tour Eiffel? 300 et quelques. Ouais, bien joué. C'est 1665. Ouais, ça me paraissait beaucoup trop trop bas les autres en fait. En fait, alors je crois que 324 c'est la taille de la tour Eiffel. Ouais, ça va être ça. 674 c'est le nombre de marches qui sont disponibles sur la tour Eiffel que nous on peut accéder au public. Et en fait, 1665 c'est ce qui reste pour aller jusqu'au sommet de la tour. Et en fait, en gros, t'as 1000 marches. Entre le deuxième étage et tout le haut en fait de la tour Eiffel. Donc voilà, c'est ça la petite différence. Donc du coup le petit piège était là, c'était le 674 en fait était le nombre de marches qui était disponible pour nous, sachant que rien pour faire ces 674, je crois que t'en as pour une demi-heure. et je sais pas si vous l'avez déjà fait dans les sacs de sport Basic Fit, des fois ils te disent ouais monter les monuments etc. Je te jure que la tour Eiffel à 150 morts je suis déjà en PLS sur l'escalator du truc. Bon en tout cas ça fait 150 encore, hein. On est à la question 6 mon cher Captain, ça fait plaisir. On s'approche du dénouement et à nouveau deux thèmes à te proposer. Alors, je te propose
Digimon ou Pokémon? Je pense Oh que là c'est peut-être pas forcément ta génération. là. C'est une catastrophe. Bah Pokémon, parce que Digimon, je connais pas du tout. Ah putain, la question elle va pas. Alors là, les gars, si vous êtes sur le chat là, c'est maintenant qu'il va falloir aider là. Ah, je pense, Allez, Pokémon. Voilà la question. Combien de Pokémon de type spectre sont présents dans la première génération de Pokémon? Allez les gars, là, faut être là sur le chat. J'espère que vous êtes là, les amis. 1, 3, 5, 7. Et Oh c'est maintenant que merde. je peux rien faire. Ah, y a un bondé sur toi, Jonx. Et là, il n'y a pas d'appel à un public. Là, il va falloir être stratégique. Il te reste deux questions. Il y a les réponses. Ah merde, j'ai oublié de virer les scores. Mais hop, je rétablis ça. Mais là, je crois que tu sais pas. Pokémon, tu connais pas du tout. Non, pas du tout. Ouais, bon, bah, je pense que. Bah, je vais faire. Peut-être par logique, par déduction. Je vais mettre 25 sur le 7, 50 sur le 1, 50 sur le 3 et 50 sur le 5. Ah, redis, 25 sur le 7. Non, non, attends, ça. Attends, remets. Attends, ça fait ça, 150. Non, ouais, 25. 25 sur le 7. 25 sur le 5 et 25. 50 sur le 1 et le 3. Est-ce que t'as encore deux jokers? Est-ce que tu veux Non, les garder pour après? Parce que on va là, les la garder, bonne nouvelle, pour tu vas après. les garder. Là, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est quoi qu'il arrive, ça continue. Mais par contre, ça va commencer à devenir un petit peu tendu. Ça va commencer à devenir un petit peu tendu. D'ailleurs, je viens de penser à un truc. J'ai pas pensé, je suis désolé, j'aurais dû te le dire, mais c'est pas grave, maintenant, on va laisser comme ça le jeu. Mais en fait, t'aurais pas pu mettre 25. Tu pouvais mettre soit 20 ou 30. Mais tu pouvais pas mettre 25, 25, c'est pas grave. Ah, bon, Elias, pardon. Elias, c'est pas grave, mais moi j'y ai pas pensé. Ah Mais oui! ça paraît assez logique. C'est pas grave. Attention, est-ce que. Je te fais de la monnaie, si tu veux. Allez, c'était la 3, c'est bien. Au moins tu gagnes. Tu gardes les Ouais, 50. je pensais. Ouais. Mais j'en ai pas beaucoup, donc. En fait. Exactement, en fait, c'est juste une famille de Pokémon la même, en fait, c'est Fantominus, Spectrum, Ectoplasma. Il n'y a qu'eux qui sont spectres dans la première génération. Donc ils s'évoluent les uns aux autres. Et après maintenant il y en a des cinquantaines, mais voilà. Au début ils étaient que trois. C'était un Pokémon, c'était une espèce rare. Bon voilà, bon bah du coup, désolé pour la question du coup. T'aurais dû Y a dire pas de Digimon. mal. Ah bah non, ça aurait été pire. Allez hop là, je reprends les compteurs à zéro, hop. Et la bonne question, c'est qu'on est presque à la fin, mais il nous reste plus grand-chose. Donc c'est par 10 que tu peux les mettre maintenant, du coup. On est d'accord? Ok. Hop, donc je pourrais pas faire 25-25. Et donc du coup, question 7. Alors, attends, je récupère juste ma monnaie. Hop, tac. Récupère ton argent. Je récupère mes bytes. Bon, alors par contre, je sais pas comment ça fait 50 bytes en euros. Mais bon, c'est déjà ça, hein. Écoute, y a pas de petit truc. Il nous reste deux questions. Et ce jeu, il est pas facile, hein, malgré tout. Hein. Il est un peu chaud quand même. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Bah oui, il y en a des plus simples que d'autres, hein, c'est clair. Surtout ça. Là. Allez, il te reste, on est question 7, il te reste deux thèmes sur cette question. Mais on y arrive. Allez, je te propose deux choses. Je te propose du vocabulaire ou de la gastronomie. Non, pardon, excuse-moi. Oh, là, là, là. Télévision ou vocabulaire? Vocabulaire. Voilà la question. Lequel de ces mots est du genre féminin? Tentacule. Abysse.
Échappatoire. Éloge. Je mets 50 sur échappatoire. Direct. Oui. On dit une échappatoire et pas un échappatoire. Je te sens pas répondre, t'essaies de pas entendre ce que je viens de te dire. Non, non, mais on dit une échappatoire, c'est un tentacule, un abysse, un éloge. Oh là là. Ah, la langue française pour Captain Bigleu, on n'y touche pas. C'est important. Important. Bon bah écoute, on va laisser tranquille. Je suppose que tu vas pas utiliser ton... Non, y'a pas besoin. Franchement, à échappatoire pour Captain Six. Échappatoire pour Captain Six. Salut mon Captain Six. Comment tu vas? Ah, Captain Six, il a déjà joué aussi. Ouais, ça commence le mois des drops. Allez, pour le Téléthon, il nous reste 50 à sauver. Est-ce qu'on va les sauver sur ce tout ou rien? C'est tout ou rien. Ah, une échappatoire, un échappatoire. Que dit le Larousse? Il dit que c'est gagné. Ah, oui. Bien joué. Quand même. Ouais, franchement, moi, ça c'est typiquement le genre de question que j'aurais pas eu. J'aurais quand même dit dire une échappatoire sur le truc, mais j'ai dit, mais on dit une tentacule. Moi, j'aurais dit une tentacule, tu vois, une éloge. Bon, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que maintenant, on a la question 8, mon cher Captain Bigleux. Et du coup, on n'aura plus que deux choix de réponse, mais le problème, ce sera l'un ou l'autre. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste, mon capitaine, pour cette dernière question? Pour le Téléthon, ça serait cool quand même, très sympa, de rajouter ça dans la cagnotte. Alors, tac, 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 tac. Je viens de me rendre compte que... Bon, mais c'est gastronomie ou vocabulaire? Bah, vocabulaire. À nouveau. Allez, on reste sur le vocabulaire. Et attends, j'avais fait une autre question tout à l'heure. Je retrouve plus ma question de tout à l'heure. Allez, je vais regarder ça tout à l'heure. Ça, c'est une question que peut-être Captain Zix elle a déjà vue sur live. Alors, du coup, attention, c'est parti. Dernière question. Allez, pour 50, les amis, pour le Téléthon avec Captain Bigleux, est-ce qu'il va réussir la passe de 50? Question. Dans l'expression tomber des nus, que désigne le mot nu? Est-ce que ça désigne des nuages ou des étoiles? Mmh. Un peu plus près des étoiles, jardin de lumière et d'argent. Fais gaffe parce que par contre t'auras que 30 secondes pour mettre. Comme ça l'a fait, c'est le dernier. Voilà, comme ça spontanément, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Bien les épaules. Oh. T'as d'autres jokers en tout cas, donc tu pourras au cas où. Captain Zik qui dit étoile sans conviction. Nuage, ça ressemble à un piège pour Jonks. Eh les gars, c'est pour le Téléthon, faut pas se tromper là. Moi aussi, je pense que c'est. Ouais, je pense étoile. Étoile dans un premier temps. Mm. C'est 50. Tu as deux jokers. Est-ce que tu veux encore les utiliser pour avoir le temps? T'as deux jokers, donc ça te fait 10 secondes et 10 secondes. Ça te fait 20 secondes de plus. Donc on en fait un dans un premier temps, peut-être, pour réfléchir? Ou tu veux valider direct? Non, je vais valider. Je vais valider. Est-ce qu'on va tomber des nus sur cette question pour le Téléthon, mon cher Captain Bigleux? Toute la question. Ou est-ce que... Justement, on va toucher les étoiles et on va permettre de faire avancer la science. Le mot a l'air féminin en plus comme étoile. Allez, Captain Bigleux! Qu'est-ce que les nus? Je suis désolé. Oh
Eh merde. Si beau parcours. Qui malheureusement. Eh oui, les nuits, c'est les nuages, tout simplement. C'était un piège qui n'était pas un piège en fait. Tu as traversé tous les pièges pour te faire piéger. C'est ça. Et là, dans ce genre de jeu, c'est là que tu te dis, t'as fait tout ça pour ça. Mais n'empêche, là, c'est. On tombe des nues là, Captain Dix. On tombe des nues. Bon, bah ouais, on savait pas, mais ouais, je vous avais dit que moi non plus je savais pas. J'aurais dit one nu, certains nuages, mais en effet, ça pouvait sembler être un piège. Ah là là, je suis. Bon, bah, c'est comme ça. Je suis un petit peu triste. Je suis un petit peu triste, mais bon, on va quand même. On va quand même les offrir ces 50 bytes pour le téléthon. Je sais pas comment ça fait. Ah, merci. Oh, merci. Ah non, je les rends pour le téléthon. Eh, Gérant, tu l'as remis, mais tu sais quoi, on va donner les 500 bytes pour le Téléthon. Eh, je pense que ça doit être 10€ à peu près. Donc voilà, donc 10 plus les 10 qu'on a fait hier, plus les 1 de tout à l'heure. 21€ les amis pour le Téléthon grâce à vous. Donc attends, mais comme on est content, on va revenir au début là. C'est comme si on avait gagné là. Voilà. On va mettre la musique de vainqueur. Merci beaucoup en tout cas, Captain Bigleux. J'ai donné du pognon au jeu pour être vainqueur. J'étais content, le jeu. J'ai gagné, je vous rends l'argent. Et là, le mec qui aligne à chaque fois. Ah, joueur, ça c'est comme ça qu'on devient pro et qu'après qu'on devient dépendant en jeu comme ça. C'est comme ça qu'il reste. Tout le monde veut prendre sa place et compagnie. Il donne du pognon pour rester en fait. C'est ça, tu m'étonnes que les mecs s'enrichissent. Bon voilà, en tout cas. Bon, mais en tout cas c'est bien, c'est la bonne nouvelle, on va quand même mettre ça pour le Téléthon, c'est cool, c'est gentil pour le Téléthon. C'était un petit peu l'idée. Ce que je vais faire, c'est que les amis, je profite que vous soyez là. Je sais que Captain Zix n'aime pas ce genre de jeu. Mais on avait dit 18h45, on allait faire le jeu de le jeu musical. À moins que on change les plans, parce que je vais faire priorité à ceux qui sont là, et donc Captain Zix qui nous rejoint. Vous êtes deux les amis. Je vais regarder un peu, mais est-ce que vous. Moi je peux vous proposer deux choses. Soit on peut faire un burger quiz. Ce qui pourrait être marrant. Ouais, avec Captain Zix s'il est dispo. Ou même pas Captain Geek, hein, puisqu'il y a Jokes aussi. Sinon, un type de musique, c'est la musique maintenant. Soit ça sera le blind test. Mais je suis pas sûr d'avoir beaucoup de participants pour le blind test. Ce qui serait peut-être un peu plus cool d'avoir un peu plus de monde sur le chat. Donc voilà, un peu à vous de voir. Donc c'est un peu soit Burger Quiz, soit le blind test. En fonction de la dispo de Captain Zix aussi. Et de Jonx aussi. Est-ce que ça t'intéresse de faire un burger quiz avec nous ou pas? Ou autres personnes qui sont sur le chat, les amis. C'est vous maintenant les rois. C'est vous les rois de la district. C'est vous qui choisissez un petit peu. Alors, Captain Zix, je suis dispo, mais sur la route. Donc, du coup, pour le moment, Captain Zix, c'est pas moi qui conduis, alors ça va. Ah, du coup, voilà. Mais bon, du coup, pour le vocal, pour le burger quiz. Ouais, peut-être un petit peu délicat. Donc, le burger quiz, c'est quand même. Il y a des parties rapidité et tout. Donc, ce serait plus en vocal. Donc, ça, à la limite, bon, tant pis, on le garde pour un peu plus tard, du coup. Qu'est-ce qu'on avait d'autre dans les jeux qu'on avait proposé Ah, c'est quoi Burger Quiz? Tu connais pas Jonx? Comment expliquer le Burger Quiz, Captain? Oh là, bon courage. C'est un jeu de questions, sur le principe. Alors, des questions con. Mais voilà, mais des questions, c'est des questions des fois de logique, mais des trucs des fois qui sont un petit peu loufoques, ça reste très marrant. Ouais, pour plus tard le Burger Quiz, c'est vraiment marrant le Burger Quiz, mais il faut le comprendre, en fait c'est la qualité des questions qui sont pliées de rire. Et le Burger Quiz, tu fais l'addition, c'est des poivres et tout en fait. Ah oui, non mais oui, ah mais attends, je te montre vite fait, je vais faire ça. Je vais te montrer un peu. Ah non, mais on est pro sur la district, les amis. Hein. Regardez, je vous montre un peu le plateau du Burger Quiz. Quand vous allez voir le plateau, vous direz ah oui, ça me dit quelque chose. Le Burger Quiz, hop, il est là. On est sur le plateau du Burger Quiz, tranquillement.
Et si par exemple on voilà on commence avec des nuggets. Non mais on a générique et tout hein, regardez. Attends. Avec la voix de Bruno Salomon et tout. Ah bah oui. En direct. Attends, j'ai même une petite spéciale. Je suis content, il y a Burger Quiz à la télé. T'es au courant, mais c'est pas Alain Chabat hein, qui présente. Non, c'est pas possible, c'est lui qui m'a dit. Je t'assure. Quoi? Mais attends, ça veut dire... C'est Guigui? C'est Guigui qui va présenter? Mince. Mais Guigui va manger? Voilà, donc le Burger Quiz, ça peut être ça tout à l'heure, ça peut être sympa. Franchement, honnêtement, un Burger Quiz, c'est obligé qu'on en fasse aujourd'hui. Donc franchement, si vous êtes chaud, ça peut se faire pas trop tard si vous voulez, un peu plus tard, trop tard. Franchement, si moi, vous êtes par chaud... contre, je veux gagner la Jeep Renegade. Ah bah attends, tu veux gagner la Jeep Renegade? Attends, regardez les cadeaux que vous pouvez gagner. Vous ah merde, attends, ah, attends, reviens. Vous allez pouvoir gagner 50 centimes de points de réduction immédiate à valoir sur le prochain achat de votre paquet Kinder Delice, cacao ou coco. C'est génial. Vous allez pouvoir gagner une Jeep Renegade. C'est super, regardez comme elle est belle. Et vous allez la gagner en fichier PNG. Regardez, elle est enregistrée sur le bureau. Et je vous l'envoie. Si vous gagnez le burger de la mort, évidemment. Non, qui va gagner du pognon avec les NFT. Voilà. Du coup, si tu gagnes le burger de la mort, je t'envoie. Et il y en a plein qui l'ont gagné, le burger de la mort, sur la chaîne. Parce que ça doit être on en a déjà fait 5-6 hein, des sessions de Burger Quiz. Oh, et à chaque fois, ils sont repartis avec leur burger de la mort à la fin. D'ailleurs, tu sais ce qu'on va faire? Tu sais ce qu'on va faire? On va profiter d'être là pour un peu comprendre le concept. On va se faire le burger de la mort de Vévec de la dernière fois, qui est tout simplement mythique. Et à quelle heure je compte le faire? Je sais pas, Captain Six, quand vous êtes prêt, quand vous voulez. On peut en faire deux, je peux en faire plusieurs des burger quiz en fonction du temps. Vraiment, vraiment, quand tu seras dispo et si tu es en même temps en dispo avec peut-être Bigleu. Ouais, il n'y a pas d'heure précise maintenant. Là, le programme, j'ai laissé tomber. Donc, c'est un peu au feeling des gens qui sont là. Donc, si vous êtes dispo à l'heure actuelle, s'il y en a d'autres qui viennent vous rejoindre, on fait deux équipes et on se met sur le vocal et on fait les maillots contre les ketchup. Et peut-être qu'on en fera peut-être deux parties. Avec d'autres gens, voilà, en tout cas c'est en fonction de quand tu es dispo, et pareil pour toi Bigleu, quand vous êtes dispo ce soir, si vous avez un moment, ça dure une heure à peu près, hein, une partie de Burger Quiz, donc du coup, moi en tout cas j'ai toutes les questions et tout, même s'il y a d'autres gens qui veulent jouer, etc., on peut en faire deux. Ce que je vais faire, c'est que comme ça, bon, ça va faire une petite pause, comme ça, ça va vous faire voir, mais du coup je vais vous balancer le Burger de la mort avec Vivek, il faut juste que je vois si je le retrouve, si je l'ai. Tac tac tac, est-ce que je peux vous mettre le burger de la mort de ce qu'on a fait la dernière fois? Tac tac tac. Attends, je vais me mettre là directement, je vais me remettre sur le live de la district. Ce sera beaucoup plus facile. Hop, nous revoilà, Guigui, la district. Tac. Allez, on se remet en just chatting. Hop, est-ce que j'ai une vidéo? Attends, on va mettre là. Mais... Où est-ce que je l'ai? Alors, est-ce que j'ai le best-of? Alors, j'ai un autre best-of. Alors, je vous montre aussi un best-of de questions pour un champion. Et après, j'essaie de vous mettre le best-of de. Juste aussi, je vous montre ce que ça ressemble, à quoi ça ressemble questions pour un champion. Attention, cinéma. Quel célèbre acteur incarne à 9 reprises le héros X-Men Wolverine au cinéma? Attends, je vais la remettre. Toi, tiens! Toi, tiens! On va le remettre pour. Will pour Smith! Tac. Je vais la remettre, les gars, parce qu'on n'avait pas le retour. On remet la vidéo. Hein. Vas-y, Captain. Attention, cinéma. Quel célèbre acteur incarne à 9 reprises le héros X-Men Wolverine au cinéma? Toi, tiens! Toi, tiens! Will Smith! Bon, voilà.
Qu'est-ce que t'en as pensé de la réponse Captain Bigleux? Ah, elle est top. C'était pas Will Smith? C'était pas Will Smith, mais elle était pas loin. Elle était pas Ouais, loin. ça va être un anagramme certainement. Sûrement. Allez, attends, je vais aller directement sur la chaîne et je vais aller vous montrer le burger de la mort. Comme ça, je vais aller faire ma petite pause de 2 minutes juste pour vous montrer à quoi ça ressemble un burger de la mort pour ceux qui connaissent pas. Et surtout, franchement, c'est tellement marrant sur le coup. Franchement, Vévec, il était vraiment au top ce soir-là. C'est à voir, c'est à voir. Attention, je vais vous le mettre. Allez, le burger de la mort. Je vous mets ça, les amis, et je reviens à vous dans quelques minutes. Allez les gars, on se retrouve sur ce plateau du Burger Quiz avec Vévec qui va réfléchir avec et va se concentrer. Mon gars, va falloir que tu sois en esprit de ouf là parce que le jeu est chaud. Je vais m'y mettre. Je vais te poser 10 questions. 10 questions. Le but du jeu, c'est que tu me répondes à la fin des 10 questions et que tu me les sortes dans l'ordre. Si tu trompes, c'est mort. Ok. Ok? Je te laisse te concentrer, je vais éteindre la lumière pour être vraiment en mode burger de la mort. Attends, je bois une gorgée de Fanta juste avant, ça donne de la soif. Ah, voilà. Là, on y est, là, les gars. Là, on est dans le burger de la mort. Je confirme, c'est du Fanta. Allez, C'est du attention. Fanta, c'est du Fanta. Vévec, c'est quand tu me dis quand t'es prêt, on commence. Vas-y. Est-ce que vous pensez qu'il ferait un bon couple le Roi Soleil et la Reine des Neiges? Personnellement, vous lisez de droite à gauche ou de gauche à droite? Vrai ou faux? Les deux policiers d'extrême droite dans Tintin s'appellent Aignan et Aignan. Vous prendriez qui, à part vous, pour écrire votre autobiographie? Bonne ou mauvaise idée, les laxatifs Fuka, sponsor de la comédie musicale James et la pêche géante? Pas mal ça. Citer un roi. Attends. Sixième question. Si citer un roi de France qui n'est plus vivant. C'est mort. Ouais, c'est ça, Le ouais. bâtard, allez-y, mon cerveau il surchauffe là. Septième question. Quel est votre signe astrologique à deux signes près? Suis pas con quand même. Deux signes près. Bah franchement, s'il y arrive, c'est chaud parce que c'est parti dans tous les sens. Je me rappelle même plus la première À question. votre avis, Johnny Depp pratique-t-il le pilates de Caraïbes? Je vais le tuer, frère. Question 9. En combien de points se joue un match Tinder? Hein? Hein? Et enfin, alors, citer un animal de do domestique qui n'est ni un chien ni un chat. Bon courage. C'est bon. Allez, vas-y. Non, gauche, droite, faux, Raouf, mauvaise, Louis XVI, scorpion, non, deux, gerbille.
Attends. T'as eu vraiment? Mon gars. Attends, frère, je te l'ai dit une fois, tu te démerdes. Attends, on va remettre au ralenti. On va remettre au ralenti ce qui s'est passé là, les gars. On va remettre au ralenti ce qui s'est passé. Parce que du coup. Du coup, je peux même pas dire si t'as gagné ou pas, mon gars. Le mec, il est... Grand bien, est-ce que t'as pu suivre les réponses ou pas là? Ça m'a l'air pas mal. Mais ça je m'a l'air suis pas, pas mal. Mais il faut le ralenti là. Putain, je peux pas avoir le ralenti. Putain, c'est incroyable. Non, je les ai encore en tête. Vas-y. Pas très longtemps. Vas-y. Non. Ouais. Gauche, droite. Ouais. Faux. Ouais. Raouf. Mauvaise. Louis XVI. Ouais. C'est astrologique. C'est Scorpion. Ouais. Non. Deux. Jérémy. Putain, il a gagné, le type. Eh ben, bravo, hein, franchement. Il a gagné, le type. Il est fort. Quelle mémoire. Ah, il est. Le mec, il a 16 gigaoctets de RAM dans la tête. C'est un génie. Allez, regarde ce que t'as gagné. C'est pour toi. C'est le chat qui lui a balancé la réponse. Vous avez gagné 50 centimes pour une réduction immédiate à valoir sur le prochain achat de votre paquet Kinder Delis, cacao ou coco. C'est génial. Vous avez gagné une G4LG. C'est super, regardez comme elle est belle. Et vous allez la gagner en fichier PNG. Regardez, elle est enregistrée sur le bureau. Et je vous l'envoie. Si vous gagnez le burger de la mort, le coup de la pêche géante, je te jure, ça là, je pensais que c'était mort. Moi, j'étais plus. Bon, les gars, vous avez vu ce que c'était du coup le burger quiz. Donc voilà, pour ceux qui veulent jouer, vous avez une bonne. C'était chaud quand même, Captain. ouais, félicitations lui, parce que putain. Et du coup, il est reparti avec ça, son image PNG de la Jeep Renegade. Voilà, donc du coup, on peut gagner des Jeep Renegade sur la district. Quand même pas mal, ouais. Hein. T'as fait un heureux là. J'ai fait un heureux, bah, exactement. Bon voilà, les amis, écoutez, il est 19h. Moi, je pense que on va peut-être se mettre sur le jeu musical. On va en profiter que vous. Ouais, je sais pas si. J'espère qu'il y aura j'aurai des réponses ou pas. Ah bon, le problème c'est que là je me dis ça, je vais faire un jeu musical. Si j'ai pas de réponse sur le chat, ça va pas être non plus très, très musical, mais. Ah oui. Ouais, il faudrait un peu de répondants. Je pense que ça sera pas marrant si on est tous les deux. Bon, écoute, tu sais ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas sur la tête. J'ai vu qu'il allait y avoir du monde un petit peu tout à l'heure tranquillement. Bah écoute, tu veux revenir ce soir, Captain Bigelow? Je peux confirmer rien, peut-être, je sais pas. En tout cas, tu sais que t'es le. Ouais, ça marche. T'es le bienvenu tranquillement. Moi, comme ça, je vais appeler un petit peu tout le monde. Je vais essayer un petit peu de démarcher pour essayer de faire des jeux ce soir en fonction des dispo. Donc, on remet ça pour un petit peu plus tard pour le reste des jeux. En tout cas, c'était cool. Merci pour toi pour le money drop. Du coup, on est à 21€ sur la cagnotte. Donc, merci à toi. Allez, on va essayer de revenir vers 20h30, 21h. Enfin, en tout cas, on revient ça ce soir. Avec d'autres jeux, et puis merci à vous d'être venu, et surtout merci aussi à Moxie d'être venu nous faire un petit coucou. Ce qu'on va faire, c'est que du coup on va faire de même, on va aller raider de notre côté, on va regarder qui est en train de live en ce moment. Hop, j'espère que ça va pas déconner comme la dernière fois, c'était le bordel pas possible. Et là, j'ai un peu... Et bah ça va être le même bordel que la dernière fois. Ok. C'est le bordel. Du coup, on va chez qui là? C'était personne qui l'a eu. Quoi, j'ai donné à quelqu'un à l'autre. Qui t'aime en bouteille de whisky? J'ai donné tout. En tout cas, merci à tous d'être venus et d'avoir joué le jeu, monsieur. Yuki, on va chez Yuki, les amis. On va chez Yuki. Est-ce qu'il vaut le coup? A tout à l'heure, les amis. Et on espère que vous profitez bien, monsieur. Regardez la phase. Bon, merci Captain, hein, du coup Captain Bigle, merci Captain Zix. Bah franchement, je te dis à tout à l'heure ou à plus tard du coup Captain Bigle, c'est bon pour toi? Ah plus Captain Bigle, merci à toi en tout cas. En attendant le tirage, est-ce qu'il y a des gens qui ont pas autant de choix? Envers mon bouteille. Ouais, bon, ah ouais, bah, c'est pas du tout.
vaisseau est même presque vieux.